Nous allons voir ce qui va se passer sur Singapour. Nous allons voir. Ça pourrait avoir lieu, ça pourrait bien avoir lieu. Mais à partir de ce que nous saurons la semaine prochaine à propos de Singapour, et si nous y allons, ce sera quelque chose de bien pour la Corée du Nord. Un jour, ça arrivera. Ça pourrait très bien être le 12 juin. Un jour, ça arrivera. Ça pourrait très bien avoir lieu le 12 juin. Nous le saurons la semaine prochaine. Lors de la visite du président sud-coréen, M. Trump avait dit à Moon Jae-in que le sommet du 12 juin n'aurait peut-être pas lieu, indiquant que les pourparlers pourraient être reportés. Le président Moon avait dit qu'il ferait son possible pour que ce sommet ait lieu. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a déclaré mercredi qu'il était très confiant dans la réalisation du sommet États-Unis-RPDC sur le nucléaire le mois prochain, même s'il faisait porter l'avenir du sommet uniquement sur les épaules de Kim Jong-un. Selon lui, le sommet est une occasion de traiter le défi de la sécurité d'État. Les États-Unis apprendront d'expériences passées et sont optimistes quant au fait que le résultat bénéficiera au monde entier. Il a aussi mis l'accent sur le fait que les États-Unis ne changeront pas de position tant que la RPDC ne prendra pas des mesures dans le sens d'une complète et irréversible dénucléarisation.